What's up, chers amis? J'espère que vous avez tous semaine des meilleurs sur le point de regarder les personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. C'est le Spooky Festival dans 51 minutes. Donc, le shop est disponible au spawn. Donc, on va y aller vite fait. Et c'est plutôt cool. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait, regardez, il y a une citrouille en fait. Ça fait une citrouille et on peut directement ouvrir le shop. Donc, aujourd'hui, on va dépenser un peu d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà comme talisman, hein? On a une intimidation de talisman qu'on va upgrade. Le camp des rings qu'on va upgrade. Et peut-être qu'on aura peut-être assez pour upgrade ça. Donc, pour la batterie, ça nous prend 64 verres candy. Donc, ça, c'est parfait. On va pouvoir le faire. L'intimidation, ça nous prend 100. Donc, ça nous en prend 164. Et ça va nous prendre ensuite pour le candy, ça va nous prendre 32 purple. Donc, on va voir si on peut acheter tout ça, mes chers collègues. Donc, on a combien d'argent? On a 500 000 seulement. Ouf, c'est pas... C'est pas la fin. C'est pas tellement bon, hein? Donc, on avait besoin de 160 candy comme ça. 164, si je me souviens bien. On va en acheter, c'est 180 000. Donc, on va juste en acheter 100, je crois. What? What? Pourquoi moi? On va prendre toute notre thune au pire, c'est pas très grave. On refermera les summoning ice. Oh, ça va être chiant, mais les gars, mais je crois que ça vaut le coup pour des talismans en plus. File mon inventaire, non. On en veut 160. On avait dit 164, donc 164. Voilà. Ça nous a coûté 175 000. Donc, c'est pas si mal. Ensuite, on va pouvoir upgrade donc le talisman ici. Et aussi le ring ici. Perfecto. Donc, on a deux nouveaux talismans, un mauve en plus et un intimidation ring. On va pouvoir aussi upgrade, je crois, pour 32 candy. C'est quoi? C'est 32 candy mauve. Ah, ça doit coûter cher quand même. Mais avec les candy qu'on va revendre après, les gars, ça devrait quand même le faire. Donc, 400 000. Oh là là, what the fuck, ça va nous coûter cher, les gars. 229 000. Aïe, 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 quoi. C'est très cher. Mais avec les candies qu'on va obtenir, après on pourra les revendre et on va pouvoir les avoir. Donc voilà, on a deux nouveaux talismans, donc deux mauves et un vert. Donc c'est cool. Attends, faut juste que je regarde combien c'est de talismans pour upgrade l'intimidation en bleu. C'est 100 purple. Donc ça, malheureusement, pas aujourd'hui les gars. Je pense pas qu'on aura assez. Et vu qu'on va farmer seulement les Enderman durant le Spooky, je pense pas qu'on aura assez de trucs. J'aimerais quand même pouvoir avoir des VR pour me prendre des... Salut Blush. Pour me prendre des... Magic Fang et tous ces trucs-là. Donc on va les mettre en... Soit Strong ou Forceful, le premier qu'on a. Bon, j'avais un autre Strong, j'ai cliqué trop vite. Strong, vas-y, on va prendre Strong pour l'instant. Malgré que je pense que Forceful, ça serait beaucoup mieux. Premier qu'on a Strong ou Forceful, hein. Oh, je veux pas dépenser trop de thunes non plus. Ah mon dieu, j'ai cliqué trop vite. Putain, fait chier ça. Strong, j'ai cliqué trop vite. On va mettre le truc Strong. Putain. Oh mais putain. J'allais mais je passe à côté. Les gars, je suis un mongol. Je vais y aller doucement alors. Forceful, parfait, c'est bon pour nous. Et ça, c'est déjà Strong. Ok. C'est celui-là qu'il faut mettre en Strong ou Forceful. Celui-là, il faut le mettre en Forceful, par exemple. Ouais, voilà. Ok, perfecto. Donc, on améliore encore nos talismans, les gars. Donc, on a un vert en plus. Donc, on va mettre le vert juste ici, à la place de lui. Les mauves, on va les tasser de deux ici. Voilà, pour mettre nos deux mauves en plus ici. Et parfait, on a augmenté nos dégâts. Par exemple, niveau monnaie, 82 000. Aïe, 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 ça fait mal aux fesses, les gars. Ça fait très mal. On va changer nos minions. Vendre nos minions. Je vais essayer de voir pour faire un peu des minions d'argent. Et puis, je vais vous reprendre un peu plus tard quand j'aurai pris la décision des minions que je vais changer. Ok, les gars, donc, Spooky va commencer bientôt. Dans 11 minutes, je me suis fait des potions. Donc, ça devrait le faire. Ça devrait me durer à peu près une heure. On va fermer les Enderman au-dessus, ici. Espérer d'avoir des... Comme vous savez, de toute façon, on fait quand même assez de dégâts. 8000, 11000. 100 potions. Avec les potes, on devrait faire un peu plus. C'est quoi? J'ai ça comme armure. J'ai aussi remarqué que, en fait, j'étais pauvre parce que j'ai pas encore vendu la Wise Armure. Donc, je l'ai remis. Personne n'avait acheté, donc je l'ai remis ici, comme vous voyez voir. Un peu moins cher.
Et ça, c'est le reste de mon HDV. Les trucs que je vends sur mon profil principal, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment les trucs que j'ai mis pour 2 jours juste ici. Donc, en espérant que ça se vend, en espérant qu'on peut faire un peu de thunes aussi, donc en espérant qu'on meurt pas. Parce que si on meurt, les potions, ils se désingradent, enfin, on les perd quoi. Et lorsqu'on devrait les boire, vu que maintenant on a le potion affinity, donc la potion devrait durer à peu près 40 minutes. Genre, chaque potion ici devrait durer à peu près 30 minutes, 40 minutes. Donc on devrait être bien en soi, on n'aura pas besoin de toutes les potions qu'on a quoi. Donc ça, ça va être plutôt cool. Donc je vous reprends à la fin du spooky avec le nombre de candy que j'ai eu, etc. En fait, avant que l'event commence, les gars, j'ai quand même bu mes potions et tout, mais j'ai pas pensé. Le truc, c'est que j'ai pas lifesteal, donc je meurs assez rapidement. Donc on va rajouter lifesteal sur notre épée, ça devrait pas coûter très cher, voilà. Donc j'ai mis lifesteal 3, le livre m'a coûté 18 000 par exemple, un peu cher. Mais j'avais pas trop le temps de crafter avec des pommes cheats et tout, mais on aurait pu le faire avec des pommes cheats, ça aurait coûté beaucoup moins cher. Mais la flemme quoi. Donc on va revisiter Portal Hub, et on est parti les amis pour notre spooky event. Let's fucking go. Ok, la chatte les gars, j'ai eu des leggings sur le même Enderman d'Iron Cop quoi. J'ai passé de 17 à 18 de combat, donc on fait un petit peu de plus de dégâts. Notre spooky event va plutôt bien pour l'instant. Je vais pas vous spoil les candies avant la fin, mais juste vous dire que ça va plutôt bien. On drop quand même pas mal de petits trucs. Je dirais qu'en ce moment, si on continue comme ça, on pourra peut-être avoir les 100 candies purple. Il nous reste quand même 30 minutes. Les 30 premières minutes se sont quand même bien passées. Il n'y a pas trop de gens dans le lobby quoi, il y en a quand même, bah oui le lobby est plein, mais moi je ferme ceux du dessus. Et je ferme aussi les 9000 un peu plus bas, donc je commence en haut, je descends. Comme vous voyez, regardez, c'est tout plein, donc je peux toutes les tuer rapidement. Il n'y a pas personne qui me fait trop chier. Il y a quelques gars des fois qui montent, mais la plupart des gens restent aux 9000 et aux zélotes. Et on a quand même fait 30000 aussi. Ah malheureusement je vous ai spoil sans faire exprès en voulant crafter. Donc vous voyez, on en a 31. Donc si on est capable d'avoir un stack de purple, ça pourrait être pas mal. Mais de toute façon, on verra bien à la fin. De toute façon, on peut pas savoir avant la fin. Les purple, c'est aléatoire. On n'a pas plus de chance ou moins de chance. Ça aurait été peut-être mieux d'avoir des potions de Magic Find. Peut-être que les Magic Find, ça change quelque chose sur les candies. Je me souviens plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait des spooky. Les gars, la dernière fois que j'ai fait un spooky, j'ai terminé, je pense, 14e. Et j'ai pas refait depuis, vu que tout ce que je voulais faire le spooky pour, c'était pour avoir le squeleton horse moi-même. J'aurais pu bien l'acheter sur mon profil principal, mais bon, c'était plus cool de le gagner, non? Et c'est ce que je me suis dit personnellement, et je me suis dit, ouais, vas-y, on va le gagner nous-mêmes. J'ai fait un putain de bon score, j'avais un Spider Dance solo. Mais le problème, c'est que j'aurais bien voulu aller dans un Spider Dance, sauf que le seul problème qu'on a, c'est que, de 1, j'ai pas d'arc, il nous manque un stack de ficelles pour l'avoir. Et de 2... j'ai pas de bat personne ou d'armure de spooky. Parce qu'avec l'armure de spooky, les gars, on aurait déjà 300 vers candy. Hein. Ça, c'est insane comment ça booste les candy. Hein. Chaque pièce, c'est 5%. 4 pièces, c'est 20%. Donc, c'est quand même assez insane. Mais il fallait que je demande peut-être à un pote de prêter. Genre, on lui donne par exemple 100, 200 000 et lui nous la prête et on lui rend après. C'est une connerie dans le genre pour pouvoir avoir une chance. On a drop au moins des leggings. On va pouvoir les revendre. Je crois que c'est à peu près 35-50 000 entre ces entours là. Donc ça l'ajoute à notre montant. Si seulement j'avais Scavenger 5 sur mon épée là, Scavenger 4 plutôt, oh là là, ou même 3, oh là là, comment je gagnerais plus de coins. Là je gagne environ 15 coins par kill. Mais imaginons que si j'avais Scavenger quoi, on pourrait gagner genre 30-40, ou même une Raider Axe. Une Raider Axe, c'est peut-être ce qu'on aurait dû aller. En fait, à la place, ça donne beaucoup plus de coins. Moi, je voulais aller pour l'AOTE, parce que c'est ce que j'avais fait la première fois que j'avais joué à Hypixel, quoi. Donc, j'ai voulu recréer un peu mon parcours sur Hypixel. La façon que je joue sur cette île, c'est comme ça qu'on a commencé sur Hypixel. La seule différence, c'est que sur la première île que j'ai créée, on faisait que build au début. Genre, on faisait les minions et tout, on laissait les minions marcher. Et tout ce qu'on faisait, c'était compléter les collections. Donc au max, comme là on est en train de faire. Et en plus, qu'est-ce qu'on faisait de plus, c'est qu'on faisait des bâtiments, une église, des trucs comme ça. Bon, il y en a beaucoup qui n'existent plus aujourd'hui sur l'île. Mais au début, il y avait un bar à pute, il y avait plein de trucs qu'on avait fait exceptionnels sur notre île. Si vous allez au début de ma chaîne, de ma série Skyblocks, je suis sûr que vous pouvez trouver des vidéos de genre présentation de mon île ou des conneries comme ça. Et genre, vous allez voir, l'île était beaucoup plus grande et tout. Maintenant, on l'a améliorée en fait avec le temps. On a décidé de la faire en plus en termes modernes. Donc au début, c'était en termes bois un peu médiéval. Et là, de plus en plus, l'intérieur des bâtiments et tout, il devient médiéval, futuriste avec du coup la clé du quartz. Ça fait quand même un an qu'on est sur cette planète. Donc au bout d'un an, les gars, la planète, elle s'est améliorée quoi. On n'est plus dans le temps du bois et du fer là.
On est dans le temps du diamant, du quartz et voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Je vais continuer les 30 prochaines minutes et je vous reprends à la fin pour faire un bilan. Et notre pet aussi, j'ai oublié de faire un bilan sur le pet. Mais le pet il a monté de 4 niveaux si je me trompe pas. Il était 44 avant l'event. Donc ouais, pas mal quand même. Donc voilà, à toutes les gars. Ok les gars, on est à la fin de l'event, il reste 40 secondes. Donc j'espère que... Je vais mettre dans les commentaires le nombre de candy purple que vous croyez que j'ai eu. Je vais vous dire tout de suite, j'ai eu un peu plus que l'objectif prévu. Donc faites faites un pari dans le chat les gars, 30 secondes. Peut-être qu'à la fin, dans les dernières secondes, on va réussir à avoir un ou deux en plus. Je vais pas ramasser les perles pour pas vous spoil. Je vais pas les crafter, je veux dire. On les craftera plus tard si on est capable d'avoir quelques candy en plus. Je sais que j'ai eu plus que 3 stacks de candy vert, donc ça c'est déjà bien. On va voir qu'est-ce qu'on peut s'acheter, qu'est-ce qu'on fait avec. On aura des décisions à prendre, les gars. Est-ce qu'on vend nos candies? Parce que ça peut nous faire un paquet de thunes. Sachant qu'on a seulement 500 000 en ce moment. Mais on a quand même fait 61 000. Oh! Il m'a donné 965 coins avec sa Gilded Midas. Eh ben, merci, mec. Et voilà, faites vos prédictions dans le chat, les amis. On a eu. Et ouais, 70 candies verts. Oh là 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 là. On a eu pas mal de perles aussi. Tout ça, on va vendre tout ça. On a eu. 1, 2, 3, 4. Ouh, 4 stacks et 60, et 48 de trucs. Ok, pas mal. Et on a pas mal de perles encore ici. Donc, ok, cool. Donc, on va aller au spawn. Là, les gens, ils vont aller voir. Ouais, combien ils ont fait et tout de dégâts, de points et tout. Nous, on n'est même pas dans le top 3000. Est-ce qu'on gagne quelque chose, 3000? Non, on gagne rien. 25 000 dollars qu'on va gagner, c'est tout. C'est pas grave. 646 points, ça me suffit largement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, les gars? C'est qu'on peut upgrade notre bat artefact. Est-ce qu'on le fait, les gars? Tu m'as dit ça. Notre premier légendaire pour 64 candy. On va aller voir combien ça vaut, 64 candy. Si on vend nos candies, ça nous fait 400 000. Donc on aurait pour 400 000 le talisman. À la place de... je crois que c'est 1 million le bat talisman. Lowest price. On va mettre catégorie légendaire. Ouais, c'est ça, c'est 800 000. Donc on sauverait un petit 400 000 environ. Où on prend la thune. Je sais pas quoi faire. Et pour les verts... On va prendre des Magic Find. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense qu'on va prendre 10 potions comme ça devrait le faire. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose d'autre en soi? Bon, le Black Tiger, le Tac Tot, on est à 40 millions de candy de là-bas. Laisse tomber ça. On est à l'intimidation. J'aurais peut-être voulu prendre, mais je pense qu'on va y aller avec le Bat, les gars. En vrai, il est là, Batring, en espérant que ça change pas le truc. Oh my god, il faut le recommencer encore. Fait chier ça. Ça fait chier ça, les collègues. Et on va prendre en vente le reste de nos candies. Donc, on aura 200 000 de candies ici. Et on aura des candies ici. Donc, ça s'est vendu directement, en fait, nos candies. What the fuck? Les gens qui achètent des trucs. Je vais aller voir pour les leggings. Donc, les gammes, vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure, je les ai mis. On va voir pour des under leggings. Under leg. Les moins chers sont à 20 000 non enchantes. Donc on va les mettre à 20K aussi. Hein. Tiens, pourquoi pas. On va les mettre pour 24 heures. Ensuite, notre talisman, on va aller le reforge en forceful, je crois. Ou strong. Bon, premier qu'on voit, on s'en bat un peu les couilles. Hein. J'allais doucement pour pas faire comme tout à l'heure. Alors full, on s'en fout. On veut strong ou forceful. Ah, est-ce que ce serait mieux d'aller... Ouais, on va garder ça pour l'instant. On va garder... Je vais pas dépenser trop de thunes, les gars, je vais pas vous mentir. Voilà, notre potion bague, on va mettre tout ça là. Et j'ai changé les minions sur l'île, les gars, pendant que... Juste avant le spooky, donc je sais pas si j'en avais parlé. Mais j'ai mis un nouveau minion obsidienne, donc un ici et un ici pour avoir notre tricapaciteur plus rapidement. J'ai mis le gold à la dernière fois, j'avais mis le gold. J'ai décidé de mettre un endstone minion. Pour débloquer des minions slots ainsi que le craft du catalyst, comme ça nos minions vont aller beaucoup plus vite lorsqu'on va farmer dans l'aine. On en a quelques-uns à chaque fois. Donc le craft du catalyst, il est où? Il est ici. Il est où? Catalyst, voilà, ça nous en prend quand même pas mal. 25 000. Donc voilà, j'ai 8 000 le canne à sucre pour débloquer la collection du canne à sucre et pouvoir avoir
l'upgrade du speed artifact. Donc dans la Canadic Collection, comme vous pouvez voir, on peut voir le speed talisman, ça on l'a déjà. On a déjà aussi le speed ring. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le speed artifact juste ici. Donc voilà, ça nous en prend quand même pas mal. Donc on va le faire marcher un peu. On va aussi sûrement construire un champ de citrouille et des trucs. Donc j'ai invité des potes sur l'île. Attends, plus one ex member. Ouais, il y a quelqu'un qui a quitté. Co-op, manage. Ah ouais, Volkin l'a quitté. Ah, dommage. On avait un autre gars avant. C'était Volkin, mais il a dû quitter. Il a quitté quand? Le 13 juillet. Ok. Bon bah, rip. Hein. Mais ouais, on va le réinviter. Et Nathan et moi, on va sûrement créer le truc ensemble. Comme vous voyez, on va faire une farm ou un truc comme ça. Je peux pas, malheureusement, genre, je sais que vous allez dire, ouais, écoute, mais c'est pas un truc solo, ouais, c'est pas solo, solo, les gars, c'est juste que le problème, c'est que j'ai pas le temps de construire des trucs comme ça, j'ai pas le temps à investir dans des farms comme ça, même celle-ci, genre, on a même pas terminé, enfin, voilà, quoi, j'ai pas le time, comme, par exemple, vous pouvez peut-être avoir plus de temps que moi, j'ai des trucs à gérer, je suis en train de travailler sur un Star Skyblock et d'autres trucs, donc, voilà, quoi, honnêtement, no time en ce moment, mais c'est pas grave, Volkin et Nathan vont nous aider à build seulement, ils vont pas récolter les minions ou ces conneries là, ils ont pas d'armure ou quoi, vous pouvez aller vérifier sur leur profil et tout ça. Donc, je crois que ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui, on a fait un bon petit spooky event. Dans le prochain épisode, on va commencer sûrement à taper pour les Slayers. Donc on va essayer d'aller voir pour les Slayers. On a augmenté pas mal notre dégâts, je crois. On a encore nos potions. Donc on va en profiter pour aller voir dans l'end combien qu'on fait de dégâts maintenant avec les talismans en plus. Donc on doit faire pas mal. Et on a terminé 3500e. Lui, il a déjà été tapé, donc on pourra pas voir. On fait 14 000, donc normalement... pas de problème aux zélotes, on va les baiser. Le seul problème que j'ai remarqué là, c'est notre crit chance, elle est pas top top, hein. Critical et ouais, notre crit chance est pas top du tout à 80%. Donc je crois qu'on va devoir, on doit devoir faire un petit truc. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer. Peut-être changer de spicy à quelque chose d'autre sur l'épée. Les gens ils ont reconnu dans le truc. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur notre épée? Sharp peut-être. Coucou, à plus. Peut-être que Sharp pourrait nous donner le petit boost qui nous manque. J'ai encore 8 minutes pour tester, de toute façon on n'a pas de... Fuck, on n'a pas de monnaie sur nous. Mais je crois que Sharp ça donne un 20% je crois. Une connerie dans le genre. Donc certes on va faire un petit, peut-être un peu moins de dégâts. Mais au moins on est sûr à 100% de toujours one shot ou quasi presque. Parce qu'à 80% c'est quand même une chance de 20% de rater. Et j'ai vu durant le spooky ça m'a quand même bien mis la misère. Donc on peut voir c'est 40%, c'est moins bien mais c'est bien quand même. Donc maintenant si on prend l'épée en main on a 94. Donc beaucoup, un petit pet de moins, genre 20 crit damage en moins. Mais je pense qu'on compense littéralement avec ça. Donc on va aller voir maintenant, on va retourner dans l'aine. Vite fait, voir si on fait le... Combien de dégâts on fait? On faisait 1400, je crois. Donc on va voir maintenant si on fait un peu moins, c'est pas très grave. On, fait 1000, on a perdu 300 de dégâts, mais on est quasiment sûr de one-shot à tous les coups. Donc, est-ce que ça valait la peine? Oui. Et de toute façon, il nous reste encore le talisman de la quête de Roméo et Juliette à faire. Il nous reste des talismans à obtenir. On est encore loin d'avoir tous les talismans. En faisant nos slayers aussi, on va gagner du crit damage, du crit chance et des talismans. Donc voilà, on verra ça dans le prochain épisode, les gens. Sur ce, je vous embrasse. C'était Icons et je vous souhaite à tous une merveilleuse fin de journée. Ciao, ciao.